Didier Farré. Monsieur Cool, le pouce vert. Regarde, j'ai choisi un beau fond pour toi, Didier. T'étais préoccupé par quelque chose, puis vers la fin des années 90, j'ai compris que tu mijotais quelque chose qui s'appelait le Festival du film de l'Outaouais. C'est certain qu'à ce moment-là, on voyait déjà que c'était quelque chose de prestigieux pour la région. Ça amenait beaucoup d'artistes dans la région. Quand même pas rien. Tu es dans un cocktail, puis il y a Nathalie Baye qui est à côté de toi, qui te jase, puis qui te parle. Puis... Je connaissais pas du tout le Festival du film. Quand j'ai commencé à y aller, j'ai vu la qualité des films. Et depuis 7 ans, ça fait 8 ans que j'y vais à chaque année. Je me souviens, une année, j'étais avec mon collègue, on avait eu une grosse semaine. Il était assis à côté de moi. Et c'était la présentation du film Les Intouchables. Et il m'avait dit, « Oh, j'ai eu une grosse semaine, je suis fatiguée. Moi, dès que les lumières se ferment, je quitte. Alors, passe un beau week-end. » Alors, on a regardé le film et quand les lumières se sont ouvertes, il était toujours là. Parce qu'il était resté coincé, captivé par le film. Alors, comme quoi, on se laisse surprendre parce qu'on va au Festival du film de l'Outaouais. Grand passionné de cinéma, vraiment tellement qu'il s'est ouvert des salles de cinéma, il s'est parti son propre festival de cinéma. Et puis, beau bonhomme avec ça, il aurait pu faire une carrière au cinéma. T'es un acteur formidable. En France, pas au Québec, parce que Tabernacle de Calice, ça passe pas ici. C'est l'âme du festival, l'énergie, le moteur, les idées au niveau de la programmation. C'est un as de la programmation. On sent que quand on parle cinéma avec Didier, qu'on parle avec un pro, là, qui en a vu d'autres. C'est un homme qui est passionné par la chasse, que ce soit au canard, au bécasse, au petit lapin, ou quoi que ce soit. Didier est là. Et la pêche aussi. Un passionné de pêche. C'est un passionné de la nature, finalement. Et Didier, c'est un, à la fin de la ligne, quand on pense à cela, c'est un passionné de la vie. Effectivement, c'est un passionné. C'est un passionné qui nous transmet sa passion. On devient de ses ambassadeurs à chaque fois qu'on rencontre, à chaque fois qu'on discute avec lui. C'est pas d'hier qu'il fraye dans le monde du cinéma. Il adore le cinéma. J'ai jamais vu un gars aussi passionné de cinéma que Didier. Et puis, tout le monde l'aime, Didier. Il est charmant, il est toujours poli. On a l'impression qu'il n'y a jamais de problème avec Didier. Tout est beau. Didier venait tout juste d'emménager dans une nouvelle maison, la même qu'il est maintenant, mais il venait tout juste, là, quelques semaines. Il y avait les inondations à Montréal du 14 juillet, je crois que c'était 1988. C'est moi qui était tout lui, dans la cave. Lui, la cave, il a eu 6 pieds d'eau dans sa cave ou 5 pieds d'eau dans la cave, perdu toutes ses photos, ses disques. C'était un désastre total. Et que fait Didier? Il appelle la compagnie pour venir creuser une piscine dans son jardin. Hélène, je croyais qu'Hélène était pour. Mais d'un calme, c'est tout normal. Il dit, écoutez, la vie continue, on va faire la piscine, c'est le temps de faire la piscine. Alors nous, la piscine de Didier nous est restée marquée dans la mémoire, le calme avec lequel il a tout géré. Mais pour moi, le festival, ça a été l'étape importante où on est vraiment entré dans l'accès à la culture qui nous intéressait beaucoup, parce que les films commerciaux, mais avec le festival, ça, vraiment, ça ouvrait tout un univers auquel on n'avait pas accès localement. Fait que pour moi, il y a 20 ans, on a vraiment donné quelque chose de précieux à l'Outaouais. Je pense que de célébrer un événement si prestigieux, parce que c'est pas évident pour 20 ans de faire un festival du film en Outaouais, Ça a pris de l'ardeur, ça a pris beaucoup de courage, ça a pris beaucoup d'efforts de la part de Didier Farré et de son équipe. On souhaite de battre des records des gens qui viennent voir tous les films. Je parlais avec lui la semaine dernière, puis je pense que ça l'a plus que doublé depuis 8 ans, 7 ans, et puis ça augmente à chaque année. Donc moi, je souhaite que le nombre de personnes qui assistent augmente, et puis pour qu'on puisse revoir le 21e l'année prochaine. Moi, je suis un grand-père maintenant. J'espère que mon petit-fils, dans 20 ans, ira voir le Festival du film. Et que le Festival du film aura de plus en plus d'adeptes à Gatineau. Et c'est toujours un plaisir immense d'aller à ton festival, de voir le choix de tes films et de t'avoir comme ami en plus. Alors, je t'embrasse. Allô, Didier. Ici Gatineau. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. On te voit une fois par année. On te parle souvent, mais on te voit moins souvent. Est-ce que tu peux prendre la bonne habitude qu'on te voit plus souvent à partir de 2018?
Merci Didier pour ces 20 années de beau cinéma underground.